Coucou la dynastie! La vidéo d'aujourd'hui, ça sera donc un get ready with me. Donc je vais me maquiller et puis je vais vous montrer comment je vais m'habiller. Le make-up d'aujourd'hui, franchement, ça sera mon make-up de tous les jours que je vais faire, pas trop me compliquer. Sauf que il y a une nouvelle technique, je sais pas si vous avez entendu parler, enfin je vous mettrai une photo à côté. En fait, c'est faire le contouring avant de mettre le fond de teint. Donc c'est ce que je vais essayer de faire parce que c'est vraiment ma toute première fois, j'ai jamais fait ça. Et donc on va voir ce que ça va donner. Entre temps, je pense que vous savez que Divine elle est en vacances. C'est pour ça je lui ai promis que pendant qu'elle est en vacances, je vais essayer de faire une vidéo pour poster sur YouTube. Donc c'est pour ça que j'ai dit bah autant faire ça. Souvent regarder devant moi parce que j'ai posé mon miroir, le grand miroir devant moi. Mais j'ai aussi un petit miroir qui est un peu plus simple pour moi pour que je puisse vraiment bien me maquiller tout près. Mais voilà, on va essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Donc c'est parti. Donc je vais d'abord commencer par faire mes sourcils. Mes sourcils. Donc voilà, comme vous pouvez les voir, comment ils sont. J'ai pas beaucoup de sourcils. Comment je fais? Alors bon, maintenant je sais qu'il y a des produits vraiment spécialement pour donc faire les sourcils donc bien, les peigner vers au-dessus. Mais moi j'utilise juste le wax Red One. Donc je prends le Red One, je prends un tout petit peu, je mets sur ma main. Alors normalement j'ai un pinceau pour faire ça, mais bon je ne le trouve pas, du coup j'ai une brosse que j'utilise aussi pour mes waves. Alors je prends un peu et après je peigne comme ceci. Comment vous allez? Comment ça se passe, je sais pas si c'est le 50e confinement qu'on fait là, avec les couvre-feux qui se terminent pas. Franchement, je sais pas, mais moi, ça, franchement, le moral, je comprends, chez tout le monde, le moral doit vraiment être down, franchement, parce que c'est pas vraiment simple de vivre tout ça, en fait. Donc, normalement, je prends un crayon brun foncé, mais je le trouve pas, du coup, je vais juste faire avec le noir. C'est légèrement avant, donc je passe légèrement juste pour donner un peu la forme, vous voyez. Après je prends donc mon concealer voilà. Après je prends mon concealer Pro LA Girl. Le nom c'est Cool Tan. Désolée, je suis un peu essoufflée parce que je viens de descendre deux escaliers, je suis KO. Et puis je suis remontée encore, donc imaginez, donc ça fait 4 fois. Bon, je reprends. Non, attendez. Et puis je viens. De base, je suis pas vraiment la meuf fort en make-up. Mais j'ai beaucoup appris en faisant sur moi-même, en fait. À l'heure actuelle, je suis franchement, il y a une soirée ou quoi. Vous allez vraiment pas me voir aller demander à quelqu'un « Oh, tu peux me maquiller ?» Non. Je sais maquiller toute seule. Et ça, c'est déjà un truc que je trouve bien. Mais un beau make-up, franchement, sans faute, ça demande vraiment du temps, en fait. Ça demande du temps dans le sens où... Et une concentration, franchement. Je vous mens pas, ça demande une concentration. Ouh. Une vraie concentration. Donc, on parlait aussi du corona, du confinement et aussi de tous ces challenges. Oh my god! Tous les challenges. Franchement, je ne vous mens pas, le premier confinement, je trouve qu'il y avait les meilleurs challenges. Au premier confinement, vraiment en mars là. Premier confinement, c'était top. Avec le truc là, avec le maquillage là. Quand on se passait entre potes et tout, c'était super bien et tout. Bon, original, ouais, on peut dire que c'était original, mais c'était cool. Mais maintenant, tout ce que je vois, d'abord il y avait le Buzz It Challenge, je sais pas si je le prononce bien. Buzz It Challenge, je vous mens pas, je le trouve aussi cool.
je le trouve cool, mais après, voilà, c'est un peu osé, on va pas se mentir. Mais c'est beau, c'est sexy. Franchement, je le trouve quand même cool. Non, je vais pas vous mentir, je trouve vraiment le Buzzy Challenge cool. Il était cool et tout, et on a eu vraiment des prestations vraiment top. Franchement, je suis choquée, j'arrive à parler et à me maquiller. D'habitude, ça me prend vraiment du temps quand j'ai envie vraiment de maquiller et parler en même temps. Donc voilà, mais je vais faire vite parce que là, j'utilise la lumière du jour. Et voilà, bon, je fais un peu comme ça. Comme j'ai pas de primer, ben, j'utilise juste le fixateur là en spray avant de mettre le fond de teint ou quoi que ce soit. Donc je mets ça. Ça revient à la même chose. Ça revient à la même chose. Le but, c'est qu'on fasse donc le contouring avant le fond de teint. Donc moi, qu'est-ce que je fais? En fait, comme un autre concealer que j'utilise, c'est celui-là de Revolution. Conceal et Define. Ça, je sais pas. Ouais, ça en vrai, c'est le Full Coverage Foundation. Mais je l'utilise comme concealer. Donc, je mets normalement donc, ici en bas. Un peu comme ça. Un peu. Ouais, un peu comme ça. Et puis je mets un peu ici. Puis je mets un peu là. Donc, comme ça. Ça, c'est clair. Ensuite, je reprends celui-là avec lequel j'ai fait mes sourcils. Et je mets un peu donc ici. Comme ceci. On dirait que c'est beaucoup en fait. Non, en vrai, c'est pas beaucoup, franchement. C'est pas beaucoup. Commencer à taper. Là, franchement, je préfère déjà enlever mon foulard. Parce que, comme je vais mettre après le foundation, je veux bien que ça passe à côté de mes cheveux. Du coup. Franchement, derrière, je sais pas pourquoi ça se lève, je sais pas c'est quoi le problème, mais vas-y, je vais fixer ça après. Wesh. Les cheveux derrière, franchement, admirer juste devant, derrière, c'est n'importe quoi. Premier confinement, on avait vraiment des challenges de malade qui étaient vraiment trop trop cool. Il y en a même que j'ai participé, hein, franchement. En plus, avec la découverte de TikTok, c'était cool. Franchement, j'avais beaucoup aimé. Mais là, ce que je vois maintenant, là, pardon les feuilles, pardon. Franchement, je donne que mon avis, hein, mais pardon. Pardon, pardon. En sachant que certains, la plupart de challenges, ça vient souvent du state. Allez, d'après ce que moi je vois, tu vois. Pour la plupart, ça vient du state et tout, ça vient même pas vraiment, vraiment de ici, là, l'Europe. Il y en a qui sont cool qui viennent d'ici, mais ceux qui prennent souvent beaucoup d'ampleur. Ce sont les challenges qui viennent même pas de chez d'ici en fait. Ensuite, on prend donc un rouge à lèvres ou si vous avez un blush en liquide ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi utiliser. Mais donc vous mettez ça. Donc je mets ici. Un peu comme ça. Oh, ça sent bon. C'est la marque Givenchy, ça sent trop bon. Donc un peu, pas trop parce que c'est pas comme si je me blindais de blush de base. Après, je prends un pinceau comme ça. C'est mignon. Je mets encore un tout petit peu parce que je sais que quand je mets le fond de teint, on va pas trop voir donc. Je fais à ma sauce en fait. Donc. Ouais, la plupart des. Franchement, des challenges qui prennent vraiment beaucoup d'ampleur ou vraiment que ça fait beaucoup de succès, ça vient souvent du state et tout. Et premier confinement, comme j'ai dit, je sais même plus comment ça s'appelle, mais il était bien, tu vois, avec ce qu'on faisait genre en groupe, entre potes et tout, nanana. C'était franchement, moi je trouve que c'était bien, c'était cool. Moi je l'ai fait, enfin, tout le monde, beaucoup de gens ont fait, entre copines, entre influenceurs, entre pays, des trucs comme ça, c'était cool. Mais là, ce confinement, moi franchement, je pense que les gens, ils ont vraiment craqué. Je pense que le fait, trop de confinement, trop de Covid, je pense que les gens, ils craquent de ouf en fait. Ils en ont grave marre.
je cherche pas des excuses hein, pour je cherche pas des excuses pour ça, mais les gens ils commencent à en avoir marre en fait. Donc mon fond de teint c'est celui-là de Nars, le Carcasse. Entre temps, avoir des ongles blancs avec le make-up, ça passe pas, franchement. Normalement, je suis censée porter des gants, mais vas-y, je les porte jamais pour me maquiller. Alors, on continue. Normalement, Nars, il faut pas mettre beaucoup. Mais je vous dis, moi, je m'en fous, en fait. Je fais à ma sauce. Je fais comme moi, j'aime bien. Alors, on y va comme ce fut. J'ai l'impression que c'est pas vraiment la couleur que j'aurais dû choisir. Clairement, je m'en fous. Non, je m'en fous pas. Heureusement, c'est Get Ready With Me, donc c'est pas que le maquillage. Parce que si je dis ouais, aujourd'hui, le maquillage du jour, je vais vous montrer comment maquiller comme ça, nanana. Ben, c'est un peu un petit flop, on va pas se mentir. Bref, c'est pas mon coin fort. Ensuite, je prends donc le Banana Powder de chez Fenty. En fait, c'est deux couleurs que je mélange. Parce qu'à chaque fois, quand je viens, il y a soit la couleur qui est en dessous, soit la couleur qui est en dessous. Au-dessus. Non, soit il y a la couleur qui est au-dessus, soit il y a la couleur qui est en dessous. Comme je vous disais, je pense que les gens, ils commencent vraiment à craquer, à devenir fous, malades. Franchement, les gens, ils deviennent vraiment fous. Que le temps que le banana powder se repose sur ma peau, je veux venir un peu faire mes paupières aussi. Donc, j'utilise ma palette Morphe de Jamie Charles. Je sais pas si vous entendez ma mère crier mon nom. J'arrive. Franchement, je sais plus où on s'est arrêté, mais vas-y, on va continuer. Donc, les gens ils craquent trop, je trouve. Les gens ils craquent trop. Et je sais pas si là, dernièrement, donc il y avait le Buzz Up Challenge qui était vraiment cool. Et comme j'ai dit, moi j'ai vraiment kiffé. Je l'ai pas fait, ok. Mais, franchement, là encore, je trouvais qu'il y avait pas trop. Il y en a, elles exagéraient, oui. Elles exagéraient. Mais je trouve quand même que c'était quand même cool. C'était pas mal. Mais le challenge qu'on a maintenant là, le silhouette challenge, je suis désolée, je peux pas vous montrer l'exemple. Enfin, j'essaie de trouver quelque chose pour vous montrer de quoi je parle. Sans vraiment que ça soit interdit parce que j'ai pas aussi envie qu'on bloque ici ma vidéo. Mais c'est abusé en fait. Ce challenge, je le comprends pas. Je comprends pas le but, je comprends pas c'est le nécessité, je comprends rien. Je trouve qu'il est grave inutile. Les gens qui défendent ce challenge, franchement, je suis désolée. On a compris. Liberté, fraternité, on a compris les femmes. Féministes 2.0, on a compris, mais là, vous abusez en fait. Et en plus, les gens qui. Sur quoi vous mettez ça sur TikTok? Vous savez très bien que TikTok, il y a beaucoup d'enfants qui utilisent ça. Juste là de haut, vous avez qu'à surveiller vos enfants et tout, enfin, pour pas regarder TikTok, bah, je trouve que c'est une mauvaise excuse parce que de base, c'est les enfants qui étaient souvent sur TikTok avant que nous aussi, les plus grands, on s'y intéresse vraiment beaucoup, mis à part les Indiens aussi qui étaient déjà très forts dedans. Ils étaient forts dedans. Et maintenant, là, vous allez me dire, vous êtes conscient que cette application et la plupart de leurs utilisateurs sont des enfants. Et vous êtes grave à l'aise en l'utilisant, en mettant des trucs comme ça. Après, vous allez donner la faute aux parents. Oh non, mais c'est à vous de surveiller vos enfants. Non, en fait, vous êtes conscient quand vous le faites. Comme toute application. On sait qu'il y a beaucoup plus d'enfants sur TikTok que par exemple sur Instagram. Il y a aussi des enfants sur Instagram. Mais quand je vous dis TikTok, c'est qu'il y a des enfants de 8 ans, de moins de 8 ans en fait, sur TikTok. Or qu'Instagram, enfin, à part les enfants souvent qui sont moins de 12 ans ou quoi, qui sont sur TikTok, c'est des pages c'est les parents qui gèrent la page, tu vois. Mais sur TikTok, il y a des enfants, même mes petits-neveux, 5 ans, 3 ans et tout. Ils sont aussi sur TikTok et moi je trouve ça très malsain de se dire que ouais c'est normal, c'est aux parents de surveiller, non ok, vous êtes aussi des responsables, vous êtes des grandes personnes,
n'y a pas à faire ça en fait. Il n'y a pas à faire ça. Moi, je mets jamais de eyeliner parce que je sais pas faire de eyeliner. Mais bon, vu que dans cette vidéo, je fais que des trucs que je ne fais jamais, on va voir ce que ça donne. On va voir si j'ai dead ça ou si ça va être un flop. On va essayer. Après, j'ai peur en fait. Oh. Et ça donne quelque chose comme wesh. Ça donne quelque chose. Arrive à faire de l'autre côté. Bon, c'est pas trop pareil, mais il y a moyen de d'arranger. Oh, ça passe. Oh, ça passe. Oh, ça passe. Ah, j'aime trop. Et c'est la première fois que je mets l'eyeliner toute seule. Hein. Ça passe. Vous vous rendez compte, c'est ça mon make-up? Je fais jamais des trucs selon les règles. Moi. Je comprends pas les règles. Moi, c'est les vêtements. Ça, c'est juste. Mais franchement, je trouve que je me débrouille pas bien, pas mal en maquillage. Genre, la fin, ça passe quoi. Je suis désordre. Je parle de ceci et puis je parle de autre chose. Et je suis pas sérieuse comme personne. Le montage va être dur. Excuse de dire que ouais, c'est les enfants, c'est les parents. Je trouve que c'est vraiment égoïste parce que vous êtes la plupart des personnes, c'est vraiment des adultes. Vous venez là, vous faites des bousiers, des souliers challenge, frère. Vous montrez comment vous. Je suis désolée, mais c'est du porno. Les souliers challenge, c'est du porno. Voilà, c'est du porno. Je suis désolée parce qu'en plus, oh, LED et tout. Encore ceux qui utilisent des vraies LED, des vraies lumières à l'intérieur. C'est difficile de, je pense, de enlever le filtre. Mais ceux qui utilisent des filtres, vous savez qu'il y a des personnes qui ont su comment faire pour enlever ce filtre. Et du coup, on vous voit en fait. Oh là 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 là. Les gens, ils sont trop bêtes. Non, franchement, je suis pas d'accord. Il y a des challenges, ouais, femmes et tout, on va soutenir. Mais il y a d'autres, les filles, on n'a pas à soutenir ça, c'est des bêtises. Je suis désolée, vous faites ce que vous voulez, mais il faut arrêter aussi. En fait, le problème, c'est que vous n'êtes pas seul sur Internet. Vous êtes là avec d'autres personnes et nous, on est obligé de subir. On subit, en fait. C'est plus, on ne peut plus même pas choisir ce qu'on regarde, on subit ce que vous faites. Et ça, je trouve, c'est pas correct. Là, c'est fini pour moi aujourd'hui avec le maquillage. Et puis, je reprends encore le fixateur. Voilà. J'aime beaucoup. Le eyeliner, on le voit pas trop. Je sais pas si je dois revenir encore. Voilà, moi je sais que j'ai mis du eyeliner au moins. Vous aussi, vous savez que j'avais mis le eyeliner. Même si ça se voit pas trop, on sait, entre nous, on sait que j'ai mis le eyeliner, ok? Alors, je sais pas, vous en pensez quoi du make-up? Moi, j'aime bien, ça passe. En soi, c'est ça mon make-up de tous les jours. Je mets toujours donc le doré ici au creux. Ensuite, je mets une poudre, enfin un eyeshadow qui a le même teint que ma peau en fait. Ensuite, ben, je fais le contouring comme je fais sans mettre le brun là et tout. Puis je mets un banana powder et puis je mets mes petits points. Je fais mes lèvres toujours en nude. Là ça fait un peu nude, un peu plus rosé, mais de base c'est vraiment nude plus brun. Donc je pense qu'on va passer au outfit. Next. Donc voilà mon outfit. Donc c'est cette jupe en velours, cette mini jupe en velours. Elle a des petites cordes comme ça, donc ça bouge un peu. Et avec donc le haut ici, aussi de chez Zara, avec des petites plumes comme ça. Oh purée, mais ça. Bon, faut pas trop toucher.
faut pas trop toucher aux plumes, mais j'aime beaucoup parce que les plumes et ont le même reflet de, enfin le même ton de noir qu'avec les petits cordes, donc je trouve que c'est une très belle combinaison. Et au pied, ben j'hésitais entre ces deux chaussures, mais celui-là je le trouve plus. Du coup, dommage parce que je trouvais que ça donnait bien avec. Du coup, je vais mettre avec l'autre. Alors maintenant, on va passer aux accessoires. Du coup, comme vous voyez bien, ici c'est vraiment vide. Du coup, de préférence de porter vraiment soit des grosses boucles d'oreilles, soit un gros collier. Du coup, là, je veux porter ces boucles d'oreilles ici. Franchement, les accessoires dans les outfits, c'est tellement important. Ça donne vraiment un autre rendu. Franchement, là, franchement, je préfère déjà. Ensuite, c'est pas trop gros, mais pas trop petit aussi. Du coup, je vais aussi porter un collier qui est moyen. Qui est aussi pas trop grand, pas trop gros. Donc, moi, j'aime beaucoup aux accessoires. Je porte souvent que du doré. C'est en même temps, je mélange quand même le doré argent au niveau des bagues. Mais sinon, mes colliers sont souvent toujours du doré. Le collier en question, je vais prendre ça. Franchement, pas trop, parce que je trouve que je suis habillée chic, classe. Donc, c'est possible de mettre encore un autre collier qui descend comme ça. Je vais voir si j'en trouve un, parce que franchement, si je vous montre ce que je vois devant moi, ma trousse de bijoux et tout, vraiment une catastrophe. C'est fou comment je fais n'importe quoi. Attendez, je vais regarder si c'est beau avec ça. Personnellement, comme ça, déjà, je trouve que c'est bon. C'est pas vraiment obligé de rajouter too much. Mais bon, des fois, je sais pas, ça... Ouais, j'aime bien. Franchement. Vous aurez mis avec ou sans? Moi, j'aime bien. Comme ça, j'aime beaucoup. J'aime bien, j'aime bien. Ensuite, je prends aussi une montre en doré. Qui me va pas, en fait. C'est trop petit, mais vas-y, je suis une farceuse. Non, ça fait vraiment mal. Et franchement, cette vie, ça vaut pas la peine, vraiment, juste une journée comme ça, et je me fasse mal jusqu'à avouer. Et juste comme ça, ça n'a pas de sens. Et une autre... Ah, ma montre Casio. Bah, toujours dorée, mais c'est une montre Casio. Depuis, je dois aller chez les gens là, des montres, parce qu'en fait, elles ne fonctionnent plus, en fait. Il n'y a pas l'heure. Il n'y a plus l'heure. Mais vas-y, qui va savoir? Qui va savoir? Vous connaissez le TikTok là, d'avoir, genre, comment ils vont savoir? Qui va savoir? Quand tu me vois comme ça, qui va savoir qu'il n'y a pas d'heure? Je ne lis pas cette heure, moi. Oh, qui connaît Exaucé bag en fait. Je porte tout le temps des bagues, blindées de bagues. En plus, ma mère se fait dire, oh, tu portes des bagues, on dirait un gangamoko. Non, mais en fait, sans les bagues, je sais pas, j'arrive pas. Du coup, je vais aller chercher mes bagues pour s'enlever après. Ensuite, quoi? Ouais, un peu de parfum, même si vous n'allez pas sentir. Toujours. Et pour finir, dernier accessoire très important, un petit sac qui est aussi en satin et que je trouve ça passe bien avec mon outfit all black, all chic, all gold. Bon, mon sac, vous voyez, vas-y, je vais faire une photo. Donc du coup, il n'y a rien dedans. Et franchement, la forme, ça me plaît pas trop. Du coup, ce que je fais, je prends un gant, je suis rentrée dedans. Et puis, ça donne un peu déjà plus de forme. Donc là, j'ai fini. Je me suis maquillée, je vous ai montré mon outfit. On a un peu papoté. Du coup, maintenant, je vais aller faire... je vous laisse parce que je veux faire la deuxième vidéo du jour. Et ça sera une vidéo pour Instagram. Suivez-moi, Exaucé Galassi sur Instagram, Galassi Dynasty sur Instagram. On arrive à la fin de ma vidéo. J'espère que ça vous a plu un peu ce petit make-up et ce outfit. Donc, le outfit, il est parfait pour un petit dîner, une soirée all black, un petit dîner avec Chéri, vous savez bien. Bien évidemment, des Chéri qui sont ma boucle banque, ok? Parce que tu t'habilles comme ça, j'espère quand même qu'on t'invite, quoi. Et que c'est pas 50-50. Okay. J'espère que ça vous a plu. Donc mettez en commentaire si vous voulez encore d'autres vidéos de Get Ready of Me, donc de make-up ou plutôt de outfit.
Ça me ferait vraiment plaisir de faire ça avec vous. J'espère que la prochaine fois, je ne serai pas seule, mais je serai avec Divine. Et donc, sinon, n'oubliez pas donc de liker, commenter, partager, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Mouah!